APF France Handicap. Les agités du 44 présentent. En démarche. Dans une salle de conseil, autour d'une table, il y a des ministres, des personnes en fauteuil et deux représentants d'AVF, l'Association des Valides de France. Mona Lisa, présidente de la République, s'adresse aux autres ministres autour de la table. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette réunion interministérielle. Afin de représenter au mieux les 20% des personnes valides que compte notre pays, nous accueillons aujourd'hui le président de l'AVF, l'Association des Valides de France, pour nous faire part de leurs doléances. Monsieur le Président, c'est à vous. Bonjour, Monsieur Petit. Il y a actuellement 50% de personnes valides au chômage en France. Que comptez-vous faire pour remédier Marie Debout, du ministère de l'Utilité publique, je vais obliger à tous les pour faire embaucher tous les Marie Debout, 20% valides. 20% c'est trop, on va faire comment pour les occuper? Pour faire comme les autres travailler. Ça va nous coûter un pognon de dingue d'aménager les entreprises pour les personnes valides. Il va falloir réduire les salaires pour compenser la baisse de la productivité. Pour être plus productif, il faudrait que les personnes valides aient accès aux mêmes formations que les personnes handicapées. Pour faciliter l'intégration des enfants valides, j'ai décidé de créer des classes spécialisées. C'est stupide, ces enfants n'arriveront jamais à suivre. Ils ne savent même pas utiliser un fauteuil roulant. Alors, que vont-ils faire en cours de sport? Marie Debout dort sur son oreiller et sursaute. La dernière fois que je suis allé au restaurant, le propriétaire n'a pas voulu allumer la lumière. C'est scandaleux, j'ai dû acheter une lampe pour manger au restaurant. Tu n'as qu'à aller manger ailleurs. Mais c'est inadmissible, je n'ai pas besoin d'avoir une lampe tout le temps avec moi. Au cinéma, il y a seulement deux places au fond de la salle. Il faut qu'il y ait des places plus près de l'écran. Il faut ajouter des places aussi dans le bus, on n'est pas tous en fauteuil. Il faut qu'on fasse des escaliers pour éviter de faire la queue. Mona Lisa, Jennifer Alagom, ministre de l'Éducation nationale, et John River, ministre du Travail, quittent la table. Cette scène vous paraît surréaliste, pas pour nous. APF France Handicap, les agités du 44 rassemblent des jeunes en situation de handicap et valides d'APF France Handicap de Loire-Atlantique. Ils mènent des initiatives pour faire changer le regard sur le handicap. APF France Handicap se mobilise pour une citoyenneté pleine et entière des personnes en situation de handicap à travers son projet associatif. Pouvoir d'agir, pouvoir choisir. Rejoignez-nous Aurélie Bonifay, Fiona Camusé, Sylvie Fleury, Clément Fournier, Ali Amini, Steven Mathieu, Steve Théo Emba Goldman, Charlotte Osmond, Fasciné Silla, Régis Aurélien Barbaré, Claire Mahé, Maryse Rouelou, Véronique Salen, réalisation Rémi Potier, Laura Burban, production APF France Handicap. 2019 APF France Handicap. Audio description, l'association Audiard.